Ce sont les premiers pas du candidat UDI déclaré. Philippe Vigier démarre sa pré-campagne officielle pour la présidence du conseil régional Centre-Val de Loire. Il juge la région dégradée, appauvrie et ambitionne de la rendre plus dynamique. La région, c'est un outil merveilleux pour la vie quotidienne. La mobilité, c'est la région. La formation, c'est la région. L'aménagement du territoire, la dynamique de nos communes, c'est encore la région. Le très haut débit, Internet très haut débit, la fibre optique, c'est la région qui devrait être la cheville ouvrière du déploiement de la fibre optique sur le territoire. Sous le slogan « Passons à l'avenir », il croit en la victoire, mais il l'affirme, celle-ci ne sera possible qu'au travers d'une union des droites. Pour cela, devant tous les élus présents, son parti appelle Guillaume Pelletier, la tête de liste des Républicains pour le Centre, à une alliance indéfectible dès le premier tour du 6 décembre. Je suis sûr qu'en conjuguant les talents de Philippe Vigier, qui connaît parfaitement bien cette région, et l'énergie de Guillaume Pelletier, ensemble, Philippe Vigier et Guillaume Pelletier, nous avons toutes les chances, effectivement, de créer la véritable alternative. À l'UDI, on place Philippe Vigier en première tête de liste, avec Guillaume Pelletier pour vice-président. Pour l'heure, toujours aucune officialisation. L'ordre sera donné sous peu au niveau national.